rassemble tous alors. Ouais. À chaque fois que je rentre dans un CGR, je dis mais je suis déjà plus. Là, c'est les mêmes formats partout. Sauf que vous allez à Nicole là et ça sera pas du tout la même chose. Ceux-là, c'est les anciens, c'est ça. Voilà. Les Nicole, ils ont fait beaucoup, ils ont mis beaucoup d'argent dedans. Et donc, il y en a qui viennent pas pour regarder les choses. Oui. Non, il attend Deadpool, je pense. Ouais. Vous voulez rentrer en salle, ouais. Ou quoi, vous voulez vous le monter en haut, vous vous grippez un peu ou... Oh bah 4 minutes, non, là c'est vraiment la fin, là. C'est générique compris. Ouais. C'est générique compris, allons-y. Ouais. Ouais. Ça va, les gitans? Ouais, ça va, les gitans. Oh, t'as Carmen, TPS? Ouais. Ça marche, le business? Ouais, bonjour. Ouais, c'est bon, vous coupez ton écran. Alors, pas de plus alors. Là, c'est tout le monde. Eh bien, la chance d'applaudir. Merci, c'était super. Nickel, reviens. Reviens. Alors, quel, merci. À bientôt. Voilà. Merci. Est-ce que tu as envie de le rappel, merci. On applaudit le fantôme de Canterville. Ça sort le 6 avril. Nous avons la chance d'accueillir ce soir, monsieur le président. Allez, encore un petit peu plus d'applaudissements. C'était juste un second rôle, c'est facile à faire. Pas la peine d'applaudir en tant que ça. Vous allez pouvoir. Alors, est-ce qu'il y a des enfants dans la salle? Oui. Ils ont des voix d'adultes, hein. Les enfants, vous êtes là? Oui. C'est des parents? Oui. Des grands-parents? Oui. Ah. Ils nous ont malheureusement quittés. J'aime la région, j'aime l'île de Ré, j'aime la Rochelle. Là, j'appelle Michel Arnaud pour FaceTime. Ouais. Est-ce qu'elle va décrocher? À cette heure-là, en général, elle cuisine. Peut-être elle fait. Non, pas avec Audrey. Oh Michel, c'est dommage. Oui. Ça allait être un moment. Elle nous fait FaceTime impossible. Ah, venez. Le mec qui débarque de Paris. Vous n'avez pas la 4G encore. Et Red Bull, ils installent du jouet, ils avaient acheté la ville, moi, Red Bull. Viens avec une copine, de préférence mineure. C'est comme les joueurs de foot, hein, pas de raison, hein. Alors, on va faire une vidéo sur Periscope. Ah. Voilà, ah. Et après, on va l'envoyer à Laurent Blanc. Très bien. Un peu d'humour, un peu pas normal. Alors, toi, tu les fais répéter, et moi, je m'occupe de... Attention, bon, vous connaissez le texte. 1... 2, 3... Ici, c'est la Rochelle. Ici, c'est la Rochelle. Ici, c'est la Rochelle. Ici, c'est la Rochelle. C'est parfait, c'est parfait. Et puis ce que j'aime, c'est que c'est spontané. Voilà, je suis arrivé direct, les gens se sont levés, c'est ça ce que je vais lui dire à Michel. Ils se sont levés, ils m'ont fait direct. En tout cas, merci, vous êtes très très sympa, vous pouvez vous applaudir vous-même. Alors, c'est vous qui avez écrit le film? Alors, non, pas du tout. C'est un film de Yann Samuel qui avait réalisé La Guerre des Boutons, je ne sais pas si ça. Oui, une des deux guerres, une des trois, enfin. Je sais pas, il y en a eu sept qui sont sorties en même temps, moi. Mais celle-là, c'est celle qui était bien. C'est un passionné de films pour enfants, en fait. Il aime beaucoup, déjà lui-même, ouais. Lui-même, il en a 5 des enfants, donc je crois qu'il fait surtout des films pour ses enfants à lui. J'ai perdu le fil de mon idée. Donc voilà, et donc, il était passionné aussi de cette histoire, je ne sais pas si certains l'ont lu, la nouvelle d'Oscar Wilde qui s'appelle Le fantôme de Canterville. Qui a lu Le fantôme de Canterville d'Oscar Wilde? N'ayez pas honte, hein, levez la main, c'est plutôt ceux qui ne l'ont pas lu qui devraient avoir un bravo. Donc c'est, voilà, il l'a adapté, il en a fait une version un petit peu plus moderne, et puis moi il m'a proposé ce rôle. Il y a deux choses qui m'ont fait accepter.
Petit 1, c'est vrai qu'on ne propose pas souvent de jouer le rôle d'un fantôme, mais je trouvais que c'était assez fun. Et c'est vrai que sur le tournage, je me suis beaucoup amusé à faire ça. Et puis petit 2, maintenant je suis papa. Et j'avais envie que ma fille puisse me regarder dans mon travail. Et jusqu'à présent, vu les films que je faisais, elle ne pouvait pas regarder grand chose. Je t'ai appelé en FaceTime, tu m'as pas répondu ? Non, parce que tu vas ma soeur. Ah, d'accord. Moi, j'ai un masque sur la tête. Tu as quoi ? Un masque sur la tête. Ah, tu as un masque. C'est la rentrée, ici, ici, c'est la rentrée, ici, ici, c'est la rentrée. Bah, c'était juste pour te prouver que je suis vraiment au cinéma. Hein. Non, maintenant, je peux pas te prouver que je suis vraiment à la maison. Voilà. C'est encore une femme qui gagne, c'est toujours la même chose. Et je me souviens, il y a un truc qui m'a marqué, c'est le gars des effets spéciaux vient à un moment où je... Vous voyez, à la fin, quand je commence à disparaître en particules, comme ça, là, et que j'essaye de retenir mes particules pour pas disparaître, tout simplement, il me dit, bon, alors là, tu vas disparaître sous forme de particules. Ce qui serait bien, c'est que tu nous aides un petit peu, tu vois, pour la post-prod, si tu peux commencer un peu toi-même. Et puis nous, on finira. C'est-à-dire, concrètement, si tu veux que je parte en particules, non, mais imagine, tu vois, c'est comme si t'étais une fumée de cigarette, et puis tu commences à disparaître comme ça, et puis t'essayes de retenir les particules, tu vois, pour qu'elles restent en toi. Alors j'ai essayé de le faire, bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est sûr que quand il te dit ça, t'as plutôt envie de lui dire, bon, bah, je vais te laisser le faire toi, hein, on va voir, monsieur le très malin, voilà, si t'es capable de te départiculariser, toi, voilà. Bonsoir, moi, je m'appelle Mohamed de Montpellier. Salut Mohamed. C'est Mohamed de Montpellier. Voilà. C'est un nom de famille un peu compliqué. Hein. Donc tu es noble. Exactement. Voilà, de Montpellier. Mais tes parents t'ont quand même appelé Mohamed. Ils voulaient un côté un peu urbain, mais noble quand même. Voilà, c'est pas mal. Quels sont tes futurs projets dans le cinéma ou dans la comédie et qu'est-ce que tu fais ce soir? Bah, vous êtes en vacances, non? Il y a quoi à faire à La Rochelle un lundi soir? Déjà à la grande ville, il n'y a pas grand chose à faire. Il n'y a rien à faire, donc je me suis dit, qu'est-ce que tu vas faire toi ce soir? Pour aller plonger de la tour, mais bon... 25 mètres. On va se marrer quoi, 5-10 minutes, on va plonger une fois chacun, et puis bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Non, on me dit, il y a la chambre 118 à l'hôtel de la Malais, mais bon, je te préfère un peu moins barbu. Mes projets pour l'avenir, écoute, il y a peut-être, je dis peut-être parce que c'est pas sûr, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, une comédie musicale qu'on est en train d'écrire qui verra le jour en janvier 2017, c'est-à-dire dans un an, une comédie musicale sur l'extrême droite, mais une comédie musicale rigolote. Mais évidemment, il y a quelques pressions en interne, et en externe aussi d'ailleurs, qui fait que je sais pas si ça va voir le jour. Mais en tout cas, nous on y croit, on y croit grave. Et puis sinon, je suis en train d'écrire plusieurs projets, dont Fatal 2, dont un film un film sur un enterrement de vie de garçon qui se termine mal et sur un week-end d'intégration qui se termine bien pour ceux qui sont étudiants. Voilà, tout ça c'est dans les cartons. J'ai des projets aussi juste en tant qu'acteur. Il y a Philippe Plagui qui m'a contacté pour c'est le mec qui a fait Le Fils à Jour. Pour faire un film qui s'appelle La Mascotte, qui est l'histoire d'une mascotte qui porte la poisse à son équipe de rugby. Je peux venir à La Rochelle si vous voulez. Pour l'instant, ça se passe à Bayonne. Voilà, il y a pas mal de choses dans les cartons. Et là, je pars tourner un film avec Olivier Marchal qui s'appelle Mon frère bien-aimé, qui est pas du tout une comédie, qui est l'histoire de deux frères. Un qui a vachement réussi dans la vie. L'autre qui a réussi, mais à l'intérieur. Moi, j'ai réussi à l'extérieur. Bref, et je tue ma maîtresse un soir de débauche et je fais porter le chapeau à mon frère. Je pense que c'est vrai. Les enfants, je vais vous laisser rentrer chez vous. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup de m'avoir accueilli si chaleureusement avec vos beaux sourires. N'oubliez pas d'en parler si effectivement ça vous a plu. Et puis, s'il y en a un ou deux qui veulent des photos. Thank you.
Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Et nous, en périph', on fait que navette. Bon, allez, on rentre ou on rentre là? Eh ouais, on se lève tôt. Merci beaucoup. De rien, bien c'était super bien organisé, merci, c'était top. Merci allez, beaucoup. Allez, on va pour le bravo. Ouais, bien sûr. Allez, à bientôt. Très belle salle, avec un public formidable. I'm yours, even if time has passed. Take me away from this impetuous world. You think that this jail of my mind. Come, come, my baby, come, and we show you the world. Le château de Canterville serait hanté. Le fantôme d'Aliénor et son serviteur Guilherme font fuir tout nouvel habitant. Ils sont coriaces cette année, hein ? Sortez de mon domaine ! Depuis des siècles. Mais aïe ! Jusqu'au jour où... Bienvenue chez nous. Comment vous trouvez les enfants ? Deux mots, génial ! Une nouvelle famille... Plan du château. Yes ! ...va peut-être changer le destin du fantôme. Je veux rentrer à la maison. Ah mais c'est ici, notre maison. Votre âme pour vivre. Un peu d'intimité ou pas ? C'est une discussion privée, là. Pardon ? Puis alors, votre haleine, hein ? Non mais c'est épouvantable ! On essaie ma femme ! Tu nous fais pas peur ! Qu'est-ce qui m'arrive ? Je fais plus peur ? Toutes les babysitters raccrochent dès que je donne l'adresse du château. Vous faites quoi, vous, ce soir ? Je vous apprends à faire peur, et en échange, vous faites fuir ma famille. La partie ne fait que commencer. Non mais quelle aberration ! La famille Canterville. 1, 2 et... Le fantôme de Canterville. Il manque complètement d'intensité, avec le ventre, avec le ventre. Allez, il faut y croire. 1, 2 et... Le 6 avril au cinéma.